Salut, aujourd'hui je vais faire un review sur le Bunia, les elbows et les knee pads et la pochette pour les magazines. On commence avec le Bunia. Pour le Bunia, la marque c'est Proper. Si. Il est dans le Atax AU. Ici il y a deux trous de chaque côté pour l'aération. Et ici, des petits trous pour mettre les balles de shotgun ou n'importe quoi. Ensuite de ça, on a ça ici, petit cordon, pour ajuster à la grandeur qu'on veut. Pour les elbow pads, ils sont quand même assez petits. Ils fit très bien sur le coude. La marque est Alta. Petit velcro ici qui tient assez bien. Ils sont dans la couleur Atax AU eux aussi. Pour les knee pads. Les knee pads sont c'est des Alta. Et les attaches ici, c'est pas du velcro. C'est des attaches en plastique qui vont venir comme une salopette se rentrer de même et clipper. Comme c'est ici. On a ça ici, le petit velcro, pour tirer la partie ici, plus loin, et puis serrer. Ici c'est plus élastique, ici c'est pas élastique du tout. Et la pochette ici. La pochette ici, on a un velcro, comme ça. Ça dérouler ou se rouler avec deux trous pour sortir le sable ou les choses comme ça. Ici on a un cordon pour ajuster le tour. À l'intérieur c'est une très grosse pochette, il y a beaucoup de place. Et on a ici des attaches, même chose pour l'autre bord, pour mettre après une ceinture, mais le velcro, après une ceinture ou après une veste ou après un sac à dos. Ça c'est aussi, c'était dans la couleur Atax